Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV, la chaîne du Japap, du Bérin. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, non, nous les soi-disant blogueurs pour donner les informations, mais t'es dur, ouais. Ah ouais, nous sommes dans le plein milieu du mariage de l'année. Quand on voit, quand un mariage est chic, ça se voit, ça se connaît. Oui, enfin, Muriel Blanche va laisser les gens se reposer un peu avec son truc qu'elle a fait. C'est quand même pas fait au Cameroun. Elle casse la tête des gens avec. Là, on parle de trucs. On a deuil, mais mamie tombe, machin, tu gagnes là. Elle poste le mariage pour faire. Laisse les gens se reposer un peu avec ton truc de mariage. Voilà ce qu'on appelle mariage. Ce qui me plaît sur les Ivoiriens, c'est que les gars sont solidaires. Oui, Rad Guérosé, tous les stars étaient là. Et les garçons de Neuf, c'était des gens fameux. Oui, on a vu Digbeug, on a vu Apuchu, et mon frère. Hein? L'ambiance totale, ils se soutiennent entre eux. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Ouais, j'aime comme ça. Bintou, tu as décroché. Tu as décroché. Un très bon chanteur, Kérosène. Bon, moi, j'ai quelque chose que moi, j'aimerais partager par rapport à ce mariage. J'espère que ceci va maintenant venir, comment dire, fermer le débat sur l'orientation de Kérosène. On a dû dire que wow, Kérosène a les tendances tchaléiques, que chaque fois qu'il voyage au Cameroun, il vient là-bas se faire mougou dans les bureaux. Comprenez un peu, y a-t-il eu ces histoires-là? Mais en tout cas, on ne sait jamais. Vous savez, non? Regarde Pididi. Pididi est marié, non? Là, tu étais marié, là, tu es des copines. Mais alors, avec les hommes, qu'est-ce qu'il fait? Il ne blague pas. Il ne blague pas. Regarde l'entrée des garçons d'honneur. Ah, trop élégant. Oui, ils ont atterri en force, vraiment. Non, 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 non. Ça, c'était du mariage. Ça, c'est du mariage. Je suis qu'aucune paire de chaussures là-bas n'a coûté au moins de 500 euros. Hein. Aucune paire de chaussures parmi celles que je vois là n'a coûté moins de 500 euros. C'était l'heure de dire oui à la mariée. Oui. Toi, tu montes, tu descends. Tu fais, hey, si tu veux, pour donner le bisou là que vous allez me tuer. Vous aimez l'ambiance totale, ouais. Et ça, je disais donc tantôt que certains sont mariés normalement, mais après, après, on les retrouve dans les couloirs, la soirée alors, des Bordeaux, les Koufa en train de tuer la danse là. Oui, qui chantait là? Je pense que c'était Mix Premier qui était en train de prester. Oui, Mix Premier, le cousin d'Arcel Meryl. Ouais, avec une garçon qui a une très belle voix. Une jolie voix comme ça là. Ouais, l'ambiance était totale. Oui, aïe, vraiment. Donc, comme je disais, bien, ah non, c'est pas Mix Premier. C'est pas Mix Premier. C'est qui ça? Moi, je ne connais pas. Venez me donner son nom en commentaire là. Ah, voici Mix Premier, voilà, c'est lui ici. Voilà. Ouais. Ça, c'est mon gars, un gars aux lunettes. Oui, toujours avec ses lunettes-là. Ouais, je disais donc tantôt qu'il y a des gens qui font ça, ils se marient, vous voyez, ils dépensent des millions, mais après, tu les retrouves dans les couloirs. D'autres même font comme ça, là. Après, en 3 mois, ils sont en train de divorcer. Mais j'espère que ce n'est pas seulement le matu-vu. Les gens font souvent des trucs comme ça, juste pour le matu-vu. Dit que wow. Oh, je suis aussi marié, j'ai organisé un gros mariage. Ça reste gravé dans la mémoire des gens. Vous comprenez un peu. Ça reste dans les annales, dans l'hôpital. Les images sont là. Après 3 mois, alors, comment ça me prend que oh, divorce par ci, divorce par là. Vous comprenez un peu. C'est ça le problème. Avec le monde de ci. C'est pas seulement les Africains. Ouais. D'autres se marient, mais maintenant avec contrat. Des contrats d'un an, de nouvel âge, bien de 5 ans, de nouvel âge, ça dépend. Maintenant, c'est pas un contrat. Comme, mais oui, non, quand vous êtes même devant même le monsieur, le truc, même le prêtre même, qui va vous, si vous mariez à l'église, même le prêtre même vous dit que c'est un contrat. Ouais, le mariage, c'est un contrat. Ouais.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un sonari, un an renouvelable, donc 5 ans renouvelable. Bon, c'est donc. Donc, c'est que quand un an passe, vous ne renouvelez pas, on considère que vous êtes divorcé. Ça, c'est les metteurs pour faciliter les divorces. Ouais. Ah, il y a les metteurs d'ambiance. Ouais, ça, c'est très beau, ça. Donc, les Ivoiriens, je vous apprécie quand même. Je vous apprécie. Nous, on devrait copier. Nous, les Camerounais, on va copier. Nous, les Camerounais, on va copier. On va copier. De bonne manière. Et toi, tu étais reçu là-bas comme un roi. Ouais. Comme un roi. Très vrai. Et tout. Ça va, les deux. J'ai même vu le petit. Le petit morveux là. De ses Zizou. Il était là, il passe. Il part dans les fêtes rien que pour racoler les photos. Avec les stars, il est parti poster sur sa page pour booster sa page. Ouais, la vie, c'est pas facile. Oui, parce que le vieux était assis là avec Samuel et Thomas. Après, là, non, j'ai vu que non. Celui qu'on a fait sauter, non, j'ai qui de là ou bien il est seulement venu s'asseoir et faire ses photos. Il est parti parce qu'après, Samuel et Thomas étaient près de. Assis près de Jobba et sa femme. Jean m'a dit que c'est San Jobba, Tisa. Donc, on ne connaît pas. On ne sait pas. Si quelqu'un peut venir afficher la Tisa comme ça, là, dans un mariage, sa femme à la maison. Donc, je ne comprends pas. Les gens disent que c'est sa Tisa. Moi, je ne comprends pas. Hein, la famille. Ah, moi, j'ai été impressionné. Ça, c'est le mariage de l'année. Donc, on attend encore voir si un autre mariage dans l'année de passer ceci. Ah, quand ça va, on va ça nous rêve cela. Rêve, ça nous fait rêver parce que on aimerait organiser un truc aussi comme ça là. Si il faut les moyens, vous savez, c'est chaud. Oui, vous savez que le mariage de nos jours, c'est l'occasion pour aux gens de montrer leur force de frappe, pour dire oui, j'ai, on a l'argent, c'est comment, voilà ça. Vous savez comment, combien j'ai habillé même les garçons d'honneur seulement. Vous savez combien ma veste coûtait, la robe. Et la robe de mari était magnifique. Je ne suis pas expert dans les trucs comme ça. Ça, c'est les trucs de, qu'on appelle, les gens comme les Shakiro qui peuvent venir analyser les histoires de robes de mari là, et tout ça. Là. Moi, je ne m'y connais pas. Moi, je ne m'y connais pas. Je la trouve jolie, très jolie. Bintou, tu vois, très jolie avec cette robe-là. Donc, je suppose que c'est une très bonne robe. Et c'est sûr que ça a dû coûter très cher. Mais par contre, le costume de Kérosène est très beau. Oui, et les garçons d'honneur étaient trop frais, même. Très élégants. Ouais. Donc, ça a été une réussite. D'après ce que nous on voit, d'après les images, quoi. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, s'il y a d'autres détails qui nous ont échappé. Donc, à la famille. Ah. On se plaint à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était juste pour vous partager les images de ce mariage. Bisous et hasta pronto.